Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo haul. J'ai passé une petite commande à la Fée du Scrap. Je voulais compléter, enfin faire une commande de crayons. Voilà, enfin je voulais en prendre quelques-uns, hein, pas des tonnes. Et entre-temps, je suis tombée sur une vidéo de Marlène. Donc, du coup, j'ai complété mon panier et voilà. Voilà, le trésor est arrivé. Et voilà. Alors, bon, vous voyez un peu les choses déjà. Tac, 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 tac. Il y en a bien des choses. Donc, j'ai eu en cadeau ces petites étiquettes. En plus, elles ne sont pas coupées. J'adore. Donc, ça, c'est un air tropical. Vous avez Célie qui a fait plein de créations avec cette collection. Et la petite carte du mois d'août. Je ne désespère pas un jour de me remettre au Project Life. Ma foi, nous verrons. Alors, j'ai pris pour tester... les dots hop, des aquarelles extra fines Daniel Smith. Voilà, donc de ce que je sais, elles ne sont pas données. Elles ont très très bonne réputation. Voilà. Donc il y a les Lunar Blue, enfin Lunar. Du coup, je connais pas très bien, donc je ne sais pas vous dire si c'est des granuleuses, des pas granuleuses. Ah, mais c'est tout expliqué derrière. Granuleur, granulation. Donc la Lunar Black, la Lunar Blue. C'est écrit en anglais, il y a iridescent. Bon voilà, je testerai tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un marqueur de masquage. Mais de masquage de quoi? Ah bah c'est du drawing gum en fait. Mais de la marque Rayer. Je sens. Bon, pour l'instant, je sens rien. À tester également. Je ne connaissais pas. Je ne sais même pas si j'avais fait attention à ce que c'était réellement. Alors, ce petit porte-vue était en promotion. Donc, je l'ai pris. Et j'ai pris 3 feuilles. Alors, c'est des blocs, que je vous dise pas de bêtises, c'est les blocs crayons. Donc, je voulais tester. Donc, A4, 120 grammes. A4, 180 grammes. Et ça, je ne sais pas. Attendez. Ça doit être marqué sur la facture. Mais j'ai l'impression que mon colis n'est pas complet. Est-ce que j'avais effectivement commandé une perforatrice? Et elle n'est pas cochée. Et elle n'y est pas. Bon, j'enverrai un petit message à Lily.
Voilà, donc le petit porte-vue, le papier. Excusez-moi, en même temps, je check que je l'avais pas ouvert. Hein. Donc, on a bien le porte-revue, les deux feuilles. Et je cherchais la feuille. C'est un bloc drawing spiral Strathmore Medium. Voilà, donc c'est que des papiers à dessin en fait. Je cherchais pour les coloriages lorsque je les. Si je voulais photocopier sur du papier de meilleure qualité. Là, j'ai pris des dual métalliques, donc Pentel hybride. Donc ça, c'est le... Je vois rien, mais oh là là, ça me saoule, hein, je vous jure. Hein. Red and Gold. Et celui-là, c'est Blue and Silver ou Silver and Blue. Voilà, donc on va le tester également. Ensuite, hop, qu'avons-nous là? J'ai été ultra raisonnable. Donc j'ai pris un Ictens, donc c'est le Fern. Hop, et j'ai repris 4 luminances. Que j'espère, je n'ai pas. Par moment, voilà, mais on vérifiera ça tout de suite. Ocre de nappe, bleu glacier, sanguine naturelle, abricot, tac tac tac, et le ferme. Je pensais avoir pris plus de intense, mais j'ai été vraiment raisonnable. La carte d'aquarelle et j'ai pris deux petits magicals, le parrot fish purple et le cyaninum, ouais, je sais pas comment ça se dit, améthyste. Voilà, donc en prévision d'Halloween. Ouais, je pensais que j'avais pris des crayons plus dans les teintes d'Halloween, mais j'ai pas dû faire ça. Voilà. Et enfin, les stickles. Alors, glitter gel. Voilà, bah ma foi, il faut tester tout ça. Donc je m'installe pour vous faire les petits essais. Alors, on va tester les Pentel. J'ai pas pris de noir, donc déjà ça contacte bien. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? C'est doré et c'est rouge. C'est doré et c'est rouge. Voilà. Et celui-là, qui a un débit beaucoup moins... Tac. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, hop, on va regarder les luminances. Tac. Le Derwent Intense, je n'ai pas préparé. Je ne sais même pas s'il est noir ce truc. Moi, il est bleu. Oui, bon, ben, est-ce que c'est grave? Pas vraiment, en soi. Ça, c'est un porte-mine. Et je crois qu'il est bleu aussi. Ouais, un peu plus foncé. Allez, prenons ça. Donc, nous allons mettre le
Ferne 1560. Tac. Voilà. Et j'ai organisé mes photos. Hein. Je vous ai dit que j'allais m'organiser, mais ce n'est pas le cas. Je cherche un pinceau. J'ai voulu faire la vidéo là, mais j'ai encore pas fini de ranger mon mini album. Enfin, pas mon mini album, mais le matériel de mon mini album Graffiti Girl. Du coup, là, j'en ai encore un peu de partout. Et de mémoire, il était très très joli. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez vu? Ben non, je crois pas. Il est là. Oh, si, peut-être que vous avez vu. Voilà. Donc, ça me fait tac, un petit truc là. Je ne sais pas s'ils vont aller ensemble, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé. Est-ce que les Inkten sont une trousse? Je ne crois pas encore. Hop. Allez, Luminance. Ça va être un peu long, mais voilà, je voulais le faire avec vous. Ocre de Naples, le 821. Il est là. Voilà. Et si tout va bien, 1, 2, 3, 4, hop, je le range aussi sec dans ma trousse. Ensuite, Abricot, je crois. 0,41. Il est là. Très joli. Hop. Donc Abricot, il est juste avant Orange. Ice Blue, 185. Bleu Glacier. Voilà, j'ai caché mon numéro à Big M. Graziella dans toute sa splendeur. Très joli aussi. Avant le bleu de Prusse. Non, après le bleu de Prusse. Ok, voilà. Et Sanguine. Naturel, 0. Putain, les numéros, c'est chiant à lire. 0,66. Plutôt par là, ça. Sanguine. Non. Plutôt par là. Sanguine naturel. Ah, c'est. Oui, c'est foncé. Je ne m'attendais pas à ça. Donc lui, il est avant le sépia. Il y en a un avant. Donc c'est celui-là. Normalement, j'ai essayé de les classer et de respecter. Voilà pour les luminances. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre à tester? Les Magical. Alors, les Magical, j'ai sorti ce que j'avais parce que j'en ai tellement peu que voilà. Voilà toute ma collection de Magical et encore, c'est même pas les mêmes, les mêmes variétés. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Il y a encore un scotch. Donc toujours dans mon nuancier classeur, j'ai les pochettes comme ceci qui vont à l'intérieur.
C'est un classeur rayère que j'avais trouvé chez Noz, ainsi que les pochettes. Et donc pour tout ce qui est encre, enfin distress, spray, des choses comme ça, il y a beaucoup de copines youtubeuses qui font comme ça dans les petits carrés. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Allez, alors le ventilateur normalement est dans mon dos. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est un checker. Ça m'arrange. On y va. J'ai pas écrit. En même temps, je vais écrire. Je ne saurais pas le dire, mais bon. Ah, mais anémone, améthyste. Je sais pas ce que je cherchais à vous dire tout à l'heure, mais... Voilà. Attention, attention. Je mets toujours trop d'eau, hein, donc ne prenez pas exemple sur moi. C'est magnifique. Ça pour Halloween, ça va être top du top. J'ai laissé le truc blanc en dessous, très mauvaise idée. Et ensuite, nous avons le Parrot Fish Purple. Alors là, on est d'accord que ça n'a pas grand intérêt de faire un nuancier parce que j'en ai que 4. Hein, mais voilà. Si jamais je complète, au moins je serai prête. Il va jamais là où je lui dis. Mais... Très joli aussi. Toujours trop d'eau. Mais c'est pas grave. Je vais faire mes deux là, même si la Milky Way White, je suis pas sûre qu'on la voit. Je sais pas. Oula, ça c'est pas le même façon de faire. Alors, est-ce que j'ai un petit pinceau? Du coup, j'en ai mis beaucoup. Tac. Et ça doit faire des reflets, je pense, nacrés. Sinon, c'est des blanches et noires. Je dirais que c'est à mélanger avec autre chose, quoi. Par exemple, si je mets de la noire là pour un fond Halloween, ça va être tip top. C'est noir, noir. Et si sur la noire on met de la blanche, ça doit faire joli ça. Oui, c'est un nuancier, Graziella. Tu feras tes petits amusements plus tard. Hop, voilà. Et maintenant, il nous reste les stickles. J'ai pas forcé, hein, j'en ai pas fait un de plus. Hein. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comment?
J'ai fait 4 fois le tour, hein, mais j'ai pas trouvé l'entrée. Ok. Je vais peut-être les ouvrir et je reviens. Alors, je les ai tous ouverts. J'ai préparé mes petites cartes. C'est trop beau. Je sais pas trop comment ça se... ça s'utilise, mais... mais il y a des choses de couleur dedans. Mon pinceau... Non, mon pinceau était propre, c'est sûr. À moins qu'il y avait des trucs de... Non, non, je pense que c'est bon. À moins qu'il y avait du Magicol. Attendez, je vais prendre un autre pinceau parce que je ne suis pas sûre de moi. Petit insecte. Là. Non, non, il y a plein de petites... de toutes les couleurs. C'est super joli. Hop, donc ça, c'est Moondust. Voilà. Mon charmant téléphone a coupé sans que je m'en rende compte, la batterie. Bon, bah, du coup, c'est pas plus mal parce que comme ça, vous voyez un résultat sec. Voilà. Donc ça, c'est Moon Dust, Vénus. Alors, bien sûr, j'ai pas regardé de tuto avant. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Là, il y a des étoiles et des confettis. Donc, au niveau application, il faudra bien sûr appliquer mieux que ça pour que ce soit un peu plus réparti. Mais l'idée, c'était, voilà. Là, on a Galaxy. Donc là, je crois pas qu'il y ait d'étoiles. Il n'y a que des petits ronds. Enfin, en tout cas, dans la partie que j'ai testée. Là, pareil, c'est la Dark Matter. Et là, c'est Nebula. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.